Coucou! Bon, aujourd'hui, je me décide à faire ma petite vidéo de ma sortie de Lille de la semaine dernière. Pourquoi j'ai tardé un petit peu? Bah parce que si vous me suivez, vous savez que je suis un petit peu en travaux avec mes façades et ça n'a pas été toujours, toujours facile. Il a fallu que je nettoie beaucoup et j'en ai encore à en faire, mais bon, c'est pas grave, j'ai une belle maison. Je vous mets une petite photo là des façades terminées. Vous allez voir, c'est un petit bijou. Maintenant, je suis trop contente, je suis trop contente. Ça valorise la maison. C'était vraiment à faire un avant-après. Enfin, c'est phénoménal quoi. C'est plus du tout la même maison. Je suis trop contente du résultat. Ça faisait des années qu'on disait qu'on allait le faire et puis là on a sauté le pas. Mais heureusement, on ne fera pas ça tous les ans parce que je vous jure que là, la poussière, j'en ai partout, elle retombe, voilà, régulièrement. Donc voilà, mes fenêtres et tout à faire. Alors, ils ont fini lundi, hein, lundi, ils ont terminé. Non, mardi. Oui, mardi, ils ont terminé. Et ben voilà, petit à petit je fais mes fenêtres parce que c'est intérieur, extérieur, dans les interstices, comment ça on dit? Je ne sais pas. Dans les fenêtres, dans les chambranles, c'est comme ça on dit, je ne sais pas. Enfin bref, je ne suis pas technicienne des fenêtres, hein, mais je dois nettoyer un peu partout. Il y a de la poussière et du sable un petit peu partout. On en vient à bout, mais bon, c'est quand même pas évident. Mais je ne me plains pas, hein, c'était à faire de toute façon, et puis je suis trop contente du résultat, alors c'est formidable. Bon. Et maintenant que je vous ai raconté ma vie, je viens dans le vif du sujet, c'est-à-dire ma petite sortie à Lille de la semaine dernière, donc jeudi dernier, hein, il y a une semaine tout juste, hein, puisque je tourne le jeudi 30 mai. Je suis allée à Lille. Alors, à cette heure-ci, j'y étais déjà. Je suis allée à Lille pour retrouver Martine Lassouli de la chaîne. Elle a une chaîne qui s'appelle Martine Lassouli. Donc, je suis allée la retrouver puisque c'est une personne avec qui j'ai fait connaissance sur Internet, hein, sur YouTube. Et puis, l'année dernière, voilà, j'ai envie de rencontrer un petit peu en vrai les personnes. Alors, c'est vrai que c'est mon rêve de faire le tour de France, de rencontrer des gens, voilà, qu'on voit sur YouTube, que je vois sur YouTube, avec qui je communique. Donc, c'est un petit peu mon rêve de faire un peu le tour de France. Bon, là, Martine, elle n'est pas très loin. Elle est à 1 h 30 de chez moi. Voilà, donc, c'est pas très loin, pas très loin. Et du coup, l'année dernière, je lui ai proposé déjà de venir passer une grosse journée. Hein. Elle a passé la nuit à la maison et puis elle est repartie le lendemain matin. Voilà, et on a passé une bonne après-midi à coudre ensemble. On avait cousu un t-shirt toutes les deux. Alors je me souviens plus le nom du t-shirt. Hein. Alors, Du coup, voilà, on avait fait ça. Et cette année, j'y suis allée au mois d'avril. Oui, au mois d'avril ou au mois de mars, je ne sais plus. Non, je crois que c'est au mois d'avril. Oh là là, je perds la mémoire, moi. Ça s'arrange pas. Enfin bref, mars ou avril. Et cette fois-là, quand on s'est rencontrés chez elle, cette fois, on s'est dit, tiens, ça serait quand même sympa de faire aussi une petite journée à Lille, shopping, tissu, et puis se rencontrer dans d'autres lieux, voilà, et puis profiter, aller dans un petit resto, une petite brasserie, profiter du moment, avoir rien à faire toutes les deux, voilà, cool quoi. Eh bien, c'est ce qu'on a fait là, jeudi dernier. Donc, je suis allée jusque Euralille, hein, parce qu'elle m'avait proposé d'aller chez elle à Hénin-Beaumont, mais pour tout vous dire,
encore en racontant ma vie. Le jeudi soir, j'avais pour projet d'aller voir mon ex-belle-sœur, hein, avec qui on a gardé de bons contacts. Et parce que je n'y étais pas allée déjà la dernière fois, je me suis dit, si elle sait que je fais des passages comme ça, elle habite Valenciennes, si je fais des passages comme ça sur Valenciennes et que je ne m'arrête pas de lui faire un petit coucou, elle va être vexée. Donc, je me suis dit, eh ben, allez, le jeudi soir, j'irai chez Nathalie, puisqu'elle s'appelle Nathalie. Et puis, elle m'a proposé d'y passer la nuit et puis de repartir que le lendemain, faire une petite activité ensemble. Alors, shopping encore, mais là, c'était un petit peu plus pour elle, puisque c'est shopping dans les magasins de vêtements tout faits. Et moi, je n'achète plus de vêtements dans les magasins. Donc, c'était pour lui faire plaisir à elle, pas spécialement pour moi. Quoique, ça ne me dérange pas d'aller faire des magasins, parce que je regarde comme ça comment fait les vêtements qu'on vend dans le commerce, les tendances, etc. Donc, c'est agréable aussi de voir ce qu'on peut coudre pour rester dans la tendance, puisque quand on fait de la couture soi-même, bon, ben, on a plein de patrons. Quoique, j'ai remarqué aussi que les créatrices de patrons doivent s'inspirer un peu de ce qui sort dans les commerces, parce que il y avait des choses où j'ai retrouvé certains patrons. Je me suis dit, tiens, ce vêtement ressemble à ce patron-là, etc. Donc, ça ne me dérange pas. Donc, on est allé faire ça le vendredi matin et je suis revenue à la maison le vendredi, enfin, en milieu d'après-midi. Enfin, j'ai démarré de là-bas en milieu d'après-midi. Voilà. Tout ça pour vous dire que le jeudi matin, je suis allée donc sur l'île et je me suis garée à Euralille plutôt que d'aller chez Martine. Parce que après il aurait fallu que j'aille rechercher la voiture. On voulait venir en train jusque Lille ou en métro, en train, je crois. Voilà, jusque Lille de Hénin-Beaumont. Mais après, il aurait fallu que je retourne chercher ma voiture pour revenir sur Valenciennes. Ça faisait des allers-retours. J'ai préféré me garer dans le parking de Euralille. Et puis, j'ai laissé la voiture toute la journée là. Nous avons fait des trajets à pied et nous avons fait aussi des trajets en métro. Donc, voilà pour l'organisation de la journée. J'ai été super contente hein, de retrouver Martine. Franchement, c'est quelqu'un de très, très agréable, de très simple et de très généreux. Donc, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc, voilà, nous avons passé un super moment. On est allé à plusieurs endroits. On est allé, alors si vous avez vu la vidéo de Martine, elle en parle aussi dans sa vidéo. On est allé chez Toto Tissu. Hein, c'est une institution sur l'île qui va malheureusement fermer. Hein, on revient. Je reviens là-dessus. Je ne suis pas la première à en parler. Et bon, franchement, ça m'affecte parce que c'est un magasin qui existe alors depuis 1966, je crois, si je ne me trompe pas, parce qu'on en a parlé un petit peu avec les commerçants de Lille, celui de Lille. Voilà, depuis 1966. Alors, ce Toto-là, c'est pas le premier qui est sorti. Le premier qui est sorti en France, c'est Rouen, je crois. Et après, ça a été Paris. Et après, seulement Lille. Et après, il y en a eu un petit peu partout en France. D'ailleurs, j'ai acheté un cabas marqué Toto Tissu et il y a toutes les villes qui existent sur le cabas sur le cabas que j'ai acheté. Sur le cabas que j'ai acheté, mais je ne sais pas si je vais savoir vous le montrer en entier. Hop, alors, voilà, il est tout joli, voilà, avec Toto, tissu, et puis toutes les villes sont inscrites dessus, voilà, il y en a de chaque côté, hein, voilà, il y en a de chaque côté, donc
Je ne sais pas, je ne les ai pas regardées. Bon, enfin, vous savez que j'allais beaucoup en vacances du côté de Perpignan. Et celui de Cléra est marqué dessus. Cléra, c'était un centre commercial tout près de Perpignan, tout près de Barcarès. Donc voilà, il est dessus et ça me fait mal au cœur parce qu'il n'y avait pas longtemps qu'il était ouvert. Je crois qu'il s'est ouvert il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Et franchement, on trouvait quand même des petites pépites quand j'allais en vacances. Donc voilà, c'est toujours désolant de voir des magasins qui se ferment. Alors je ne sais pas. Quand j'ai posé la question à Lille, aux commerçants de Lille, ils me disaient que c'était pas des franchisés, mais franchement, enfin, je sais pas, j'ai un doute. Alors, si vous êtes un peu au courant, vous pouvez le mettre en commentaire, parce que franchement, celui de Cléra, j'ai pas l'impression que c'était. Je vois pas comment. J'ai l'impression que c'était quand même un indépendant, ce monsieur qui avait pris l'enseigne Toto, mais je ne le vois pas franchisé, quoi. Alors je ne sais pas comment on peut faire en étant indépendant et prendre une enseigne. Je pense que c'est une espèce de franchise quand même. Alors évidemment, tous les Toto ferment. Mais moi, je me pose la question, est-ce que tous ces gens qui ont ouvert des magasins, voilà, il y a peu de temps, est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir reprendre une autre enseigne ou se mettre carrément indépendant à ce moment-là? Parce que tous ces magasins, ça y est, on va plus rien avoir, parce que Toto était quand même dans beaucoup de villes. Et ben là, franchement, si sur l'île Toto ferme, ben il y a plus grand-chose après. Enfin, il y en a d'autres, mais plus petits. Et puis voilà, ça fait quand même un. Alors, je sais que le secteur va mal, mais voilà, c'est quand même triste pour ceux qui cousent encore de se voir enlever de la matière comme ça, de se voir enlever des lieux où on peut discuter couture aussi dans un magasin de couture. Voilà, on a beaucoup de contacts avec les gens. Enfin bref, voilà. Tout ça pour parler de toutou, de Toto, de toutou. De Toto. Donc nous sommes allés là. Ensuite, nous sommes allés dans une enseigne, les coupons de Saint-Pierre. Mais apparemment, c'est les tissus de Lille, parce que la dame qui tient cet établissement nous a expliqué que le nom des coupons Saint-Pierre, elle l'avait avant les coupons Saint-Pierre, ou je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Ça fait que, bref, elle s'est retrouvée avec le même nom que celui de Paris. Et du coup, c'est quand même les tissus de Lille. Elle a quelques coupons, des coupons Saint-Pierre, du coup, parce qu'elle s'est mise en partenariat avec eux, mais qui coûtent un tout petit peu plus cher que celui de Paris, parce que ce n'est pas les coupons Saint-Pierre de Paris. Donc c'est une revendeuse, donc forcément il faut qu'elle prenne sa marge sur ce qu'elle achète. Et c'est un petit magasin aussi, donc elle n'achète pas des grosses quantités. Et je ne sais pas si vous savez, mais plus on achète gros, plus on a des prix qui baissent et plus on peut le faire ressentir à sa clientèle. Moins on achète, plus le prix est important du fournisseur à la personne qui vend, et du coup la personne qui vend est obligée de vendre à ses clientes ou clients un peu plus cher, forcément. C'est la loi du marché, voilà. Plus on achète gros, plus on a des prix intéressants, et du coup plus on peut faire participer à des clients, voilà, des prix est quand même plus attractif.
Voilà. Ce qui n'empêche pas, vous voyez, par exemple, de Toto de fermer, hein. Ça n'empêche rien du tout. Mais bon, voilà, il faut le savoir. Quand on achète, quand vous allez chez une petite mercerie, forcément, vous allez avoir des prix plus chers que chez Toto, par exemple. Parce que Toto pouvait acheter en gros et du coup, faire bénéficier ses clients à des prix plus avantageux que dans votre petite mercerie qui, elle, achète plus petit et qui, finalement, est obligée d'avoir un prix plus important parce que son prix de base est plus important. Voilà, vous savez tout. Enfin, voilà, c'est encore une ancienne commerçante qui parle, hein, mais voilà le pourquoi que des fois, vous avez des différences de prix d'un magasin à l'autre. Et voilà, il faut bien qu'elle compte ses charges, etc., etc. Enfin bref, un prix, ça se fait pas au hasard. C'est pas pour dire de se mettre encore plus d'argent dans les poches. C'est surtout pour payer les charges, etc. Et d'essayer d'en vivre ensuite. Enfin bref, me revoilà encore partie dans cette conversation parce que ben voilà, ce Toto qui ferme m'a encore affectée. Donc du coup, ça me fait penser à tout ça. Donc, nous sommes allés au Coupon Saint-Pierre, enfin, intitulé les Coupons Saint-Pierre, mais qui est les tissus de Lille. Et ensuite, nous sommes allés manger dans une brasserie. Hein, je ne vais pas faire de pub. Hein, on est allé manger dans une brasserie et voilà, hein, passé un très agréable moment. Il y avait la sœur de Martine qui était là aussi avec nous, qui a voulu venir faire la petite promenade du jour avec nous. Elle avait été aussi avec Martine sur Paris et avait vu d'autres personnes qu'elle avait rencontrées au niveau de YouTube, etc., ou de ses week-ends couture, parce qu'elle est allée aussi en week-end couture. À Mancy, hein, chez Marion. Voilà. Donc, sa sœur était là, présente aussi, et elle a fait venir sa fille aussi pour manger avec nous. Ça lui donnait l'occasion de voir sa fille, ce qui est très bien. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Une petite jeune fille, enfin, une jeune fille, je crois qu'elle a 30 ans, donc, mais bon, pour nous, c'est toujours jeune, hein, qui était très agréable, et voilà. Donc, nous avons passé un super moment. Quand on est sorti de la petite brasserie, on est allé aux Recoupettes. Donc, on y est allé à pied. C'était pas très loin. Et puis, ça fait du bien aussi de marcher. Et nous avions eu un orage pendant la brasserie. Mais là, le temps était sec à peu près. Je crois qu'il brouillait un petit peu. Mais c'était, voilà, pas désagréable à marcher. Donc, les Recoupettes, là, c'est une recyclerie, là, un endroit mais je me demande si elles n'ont pas une chaîne YouTube. Je vérifierai ça. Et si elles en ont une, je vous le marquerai. Ou tout au moins, je crois, un Instagram ou un Facebook. Enfin, ils ont quelque chose. Je crois que je les ai vues. Ou alors quelqu'un qui en parlait, peut-être. Bref, pourtant, il me semble que j'ai vu la personne parler. Les deux personnes, parce que je crois qu'elles sont à deux à tenir ça. Alors voilà, là c'est de la recyclerie. Vous avez des chutes de tissu, vous avez des coupons de tissu, vous avez des draps, vous avez des nappes, voilà, où vous pouvez utiliser pour faire de la couture. Et elles sont donc au niveau du tissu à 8 euros le kilo. Voilà, je ne me rends pas bien compte, hein, si ça fait cher, pas cher. À mon avis, ça fait moins cher qu'en magasin, forcément. Et puis, ils ont aussi de la mercerie. Et là, ils ont un système de petites poches où, tant que la poche est remplie, il y a des différentes tailles. Et la petite, c'est 1 euro. Après, c'est plus grand. Je crois que Aurore, des Ateliers des Trois Chatons, y va assez régulièrement, puisqu'elle habite dans le coin, et qu'elle en a déjà parlé. Donc, nous sommes allés là. Et ensuite, on est allé. Alors, je ne me souviens plus du nom de la boutique. Ni de. On a pris le métro.
Et je me souviens plus non plus du nom de l'arrêt métro. Quand on est sorti du métro, le magasin était là tout près. Donc je vais vous mettre ça, je vais aller revoir la vidéo de Martine et puis je vous mettrai ça en dessous pendant que je parle. Donc voilà, vous aurez comme ça tous les renseignements. Et puis là, un petit magasin aussi, pas très cher non plus. Des jerseys dans les 9, 11 euros le mètre. Voilà, c'est pas très cher. De jolies petites choses. Voilà, c'est un petit magasin, pas très grand, effectivement, mais où il y a des petites pépites. Donc, c'était super sympa. En sortant de là, effectivement, on était un peu fatigués, hein, c'est plus que nous n'avons plus 20 ans, n'est-ce pas? Donc, on s'est dit, il y avait encore l'Ibersart à faire, et là, il fallait reprendre le métro ou le RER, enfin bref, je ne sais pas, je connais pas du tout. Donc, on s'est dit, ça donnera l'occasion de refaire une journée plus tard, l'année prochaine, ou voilà, pour aller faire ce coin-là qu'on n'a pas fait. Et puis, il y avait Roubaix aussi. Apparemment, il y a des magasins d'usine, je pense. J'ai entendu vaguement parler à faire aussi. Donc, pourquoi pas refaire une journée, voilà, dans 6 mois, un an, pour refaire cette partie-là. Voilà. Alors, tout ça pour en arriver à vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, je trouve que j'ai été un petit peu raisonnable. Mais bon, on n'est jamais raisonnable au niveau des tissus. Non, si, si, je me suis retenue. Je me suis retenue parce que j'aurais acheté beaucoup plus, mais j'ai un stock vraiment indécent. Je peux ouvrir une mercerie, hein, je peux vous le dire. Enfin, je crois que je vous le dis assez régulièrement. Et il y a des tissus que j'adore, mais du coup, comme j'ai pas le temps de coudre aussi vite que ce que j'achète des tissus. Vous allez me dire, c'est pas bien. À un moment donné, il va falloir s'arrêter. Donc, j'essaye, hein. Il y a des moments j'essaye d'être raisonnable ou alors de ce que j'achète, de le coudre tout de suite parce que voilà, sinon je me dis ça va encore rester là et c'est des tissus que j'aime, hein, et que je voudrais coudre, mais j'ai pas le temps. Donc on va essayer d'être dans. Alors je sais pas si ça va pas être ma. Comment ça s'appelle? Ma bonne résolution de l'année 2025. Vous voyez, je me donne encore un petit moment. Mais je crois que ma résolution de l'année 2025, ça sera de faire descendre un peu mon stock de tissus. Ça serait pas mal, je trouve. On en reparlera. Alors, je vous montre donc ce que j'ai acheté à Toto Tissu. Donc, voilà, je couds pour Louis. Louis est un grand fan des Avengers et Star Wars, un petit peu tout ça, les super-héros, voilà. Il est très fan et je sais que quand je lui prends un tissu avec un de ses personnages, il est toujours heureux. Donc là, j'ai trouvé un espèce de velours avec Batman dessus. Donc, alors, je vais lui faire peut-être un coussin aussi dedans parce que j'en aurai largement assez. Ou je lui ferai aussi, comme je lui ai fait l'année dernière avec les Avengers, un dos de blouson. Et voilà, et comme ça, il aura Batman, un blouson. C'est quand même un velours, donc je ne peux pas. Ah, petit coup de fil. Voilà, mais qu'on ne répondra pas parce que c'est des publicités, hein, comme d'habitude. Donc oui, je vous disais pour le Batman, je vous disais quoi d'abord? Je ne sais plus avec ce coup de fil que je pouvais le faire en blouson, mais que je ne pouvais pas le faire en t-shirt ou en sweat ou que c'est etc. parce que c'est un velours synthétique, c'est pas très agréable directement sur la peau. Il faut qu'il y ait une doublure, etc. Il faut, enfin, c'est vraiment fait ou pour des coussins ou. Alors, je ne sais pas trop si c'est vraiment un tissu d'ameublement ou pas, mais il faut quand même le mettre comment?
pas sur la peau directement. Donc, ça sera certainement un dos de blouson pour lui. Et puis, voilà. Et puis, peut-être un coussin pour sa chambre, qui est à refaire d'ailleurs et qu'on va, on va peut-être refaire dans les mois qui arrivent. Voilà. Donc, ensuite, alors que je ne mélange pas tout, j'ai pris aussi ce jersey que j'ai trouvé superbe. Je suis un peu dans ces couleurs-là en ce moment. Voilà. Alors, je voulais en prendre pour faire une robe, genre la robe Isoline de Super Bison, en partenariat avec My Popo. Mais je me suis dit, ça va encore faire trop, too much, la robe. J'ai du mal, j'ai du mal en ce moment à me coudre des robes. Donc, ça sera certainement un t-shirt. Alors, je ne sais pas si je ne ferai pas un top lucette ou voilà, quelque chose comme ça, avec une basque ou sans. La blouse robe Léonf de Comme une fleur. Elle est pas mal aussi, j'en ai déjà deux et franchement j'aime bien. Donc pourquoi pas, ou simplement un plantain ou ce genre de t-shirt tout simple. Hein, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est, j'en ai pris, je crois que j'en ai pris 1,50 m pour être sûre de pouvoir faire un t-shirt dedans. Et s'il m'en reste un peu, ben, je peux faire aussi un t-shirt pour les petites dedans. C'est des couleurs qui peuvent aller aussi aux petites. Voilà, donc jersey. J'ai pas gardé le ticket de caisse, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'était pas. Alors ensuite, j'ai acheté celui-là de jersey. Alors c'est un jersey beaucoup plus fin. L'autre était vraiment très très épais. Il y avait 30% hein, sur les prix. Je ne saurais plus vous dire exactement les prix. J'en ai eu pour 76 €, je crois, le tout. Et à chaque fois, c'était... je crois que le t-shirt que je viens de vous montrer devait être dans les 11 € le mètre, moins 30%. Le velours, ça devait être dans ces prix-là aussi, moins 30%. Ici, c'était un petit jersey tout fin, qui était à, je crois que c'était 7 ou 8 € le mètre, moins les 30%. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose. Donc, il est un petit peu structuré. Hein, l'impression du dessin est un peu... Enfin, on le sent au toucher. Bon, il n'est pas très épais. Ça aussi, ça fera un petit t-shirt de demi-saison. Pour... pareil avec peut-être une petite basque ou genre comme ça, c'est pareil, j'en ai pris 1,50 m aussi, donc là ça m'a rien coûté du tout, hein. Je crois que ça, si ça m'a coûté 6 ou 7 €, le coupon d'1,50 m, c'est déjà beaucoup. Voilà, et ensuite, donc j'ai pris du coton sergé pour me faire des pantalons ou des shorts. Alors les shorts, je mets pas de short à l'extérieur, hein, je me balade pas en ville en short, mais oui, à la maison, bien sûr, je porte un peu de short pour être à l'aise à la maison, voilà, en famille, ça me gêne un peu moins que de sortir dans la rue avec. Mais bon, voilà, après, chacun fait comme il veut, hein. Chacun voit midi à sa porte, je l'ai déjà dit, je le répète. Ne vous énervez pas sur moi. Chacun fait comme il le sent. Si vous vous sentez bien dans un short en ville, faites-vous plaisir, hein, je vous en prie. Hein. Voilà. Alors, voilà, c'est un sergé de coton, pas extensible du tout. Hein, voilà, qui est pas trop... Alors, qui est épais, mais pas trop épais non plus. Donc, voilà, bien pour la saison, la demi-saison. Donc, dedans, j'ai envie de me faire un... Alors, un pantalon et un short, parce que j'en ai pris 2 mètres, je crois, à chaque fois. C'était dans les 12 €, je crois, le mètre. Donc, moins 30%, hein, toujours. J'en ai pris 2 mètres, je crois, à chaque fois. Et j'ai envie de me faire un pantalon. Alors, un pantalon
qui est du maintien, bien sûr, genre Yetta, voilà, ou voilà, hein, genre Yetta, par exemple, des bobines patterns, si vous connaissez, genre, voilà, pas un jean vraiment, mais un pantalon qui ressemblerait à un jean, mais en toile, donc voilà. Donc ça, c'est pour ça, et donc j'ai pris en bleu marine, je l'ai pris en bleu marine, et je l'ai pris en bordeaux, voilà, en bordeaux. Alors, vous le voyez un peu plus foncé que ce qu'il n'est en vrai. Ouais, il est plus foncé, il est plus lumineux en vrai. Là, il fait un peu terne, il fait hiver, mais il est plus lumineux en vrai. Et vous savez pourquoi j'ai acheté celui-là? Parce que en ce moment, chez Muriel Couture, je suis en train de faire la blouse désert de Super Bison dans ce crêpe. Je vous le montre un peu dans ce crêpe-là. Et je trouvais que j'avais envie d'un pantalon qui pourrait aller avec cette blouse. Et je trouvais que du coup, ce bordeaux irait bien avec cette blouse. Que du coup, je mettrais en arrière-saison, je pense. Alors, le pantalon et la blouse est à courte manche, par contre. C'est ce que j'étais en train de réfléchir. Je fais la version courte manche. Un peu bête. Mais bon, de toute façon, après, avec un gilet, voilà, on continue à mettre un peu nos blouses qui sont à courte manche. Donc voilà. Et puis, je trouve que le bleu irait aussi, de toute façon. Donc le bleu fait peut-être un peu plus été, plus, ouais, plus saison intermédiaire. Donc voilà, donc deux pantalons que je vais faire. Alors j'hésite aussi avec le jasmin, hein, parce que c'est un pantalon que j'adore. Mais je ne sais pas si dans cette matière, ça irait. Franchement, je ne sais pas. Alors j'ai l'impression aussi que le bordeaux est un peu légèrement plus épais que le bleu marine, et pourtant c'est des tissus qui étaient l'un à côté de l'autre, qui étaient dans la même partie. Donc bon, on verra bien. Peut-être que le bleu marine, je tenterai peut-être un jasmin, et l'autre je ferai un yetta dedans. Donc voilà, pour Toto, c'est tout, c'est tout. Vous voyez, je n'ai pas été très très gourmande, et puis je suis contente aussi d'être raisonnable quelquefois. Ça fait du bien, hein, au porte-monnaie. Et puis ben voilà, c'est parce que après il faut avoir le temps de coudre, et les projets, j'en ai plein la tête, mais voilà, au bout d'un moment, il faut les réaliser, ces petits projets. Donc ensuite, nous sommes allés donc aux recoupettes. Donc aux recoupettes, je n'ai acheté alors j'ai acheté des petits boutons qui sont toujours dans mon porte-monnaie d'ailleurs, des petits boutons un peu argentés, enfin voilà, style bouton de jean, si vous voulez, mais bouton, pas le bouton à coudre, je veux dire, pas le bouton à insérer comme un clou, là, avec un clou, parce que ces boutons-là, bah, figurez-vous que j'aime pas trop, parce que ça me fait mal à ma petite bedaine. Voilà, quand je les ai, j'ai un pantalon, d'ailleurs, il faut que j'enlève ce bouton, parce que à chaque fois que je porte, j'ai une marque sur le ventre, et au bout d'un moment, ça me gêne, hein, et du coup, ce pantalon, je ne le mets pas beaucoup, alors que je l'adore, hein. Donc c'est le pantalon Peppermint que j'avais réalisé en regardant la vidéo de Emma de Friendly Couture. Donc ce pantalon, je l'adore, mais et pourtant le bouton, je l'avais recouvert, j'avais mis un petit carré que j'avais cousu à la main, voilà, pour cacher le bouton, mais ça suffit pas. Ou alors il faudrait que je mette un petit peu de ouatine pour dire de vraiment que ça soit pas en contact avec ma peau, parce que franchement ça me fait des traces, hein, sur le ventre à la fin de, même pas à la fin de la journée, hein, à la fin de la matinée, hein, je ne porte qu'une matinée et ça me fait déjà des traces. Voilà. Les boutons.
je me perds un peu aujourd'hui. Les boutons et voilà, j'ai acheté ceci. Donc, c'est une nappe que j'ai relavée. Là, hein, elle est lavée. Les autres tissus ne sont pas encore lavés. Pourquoi? Parce que je suis dans la poussière, les enfants. Donc, je ne vais pas trop vite au lavage. Hein. Une fois que ça sera retombé, je laverai tout. Voilà, celui-là, je l'ai lavé. Pourquoi? Parce que je veux me le coudre assez rapidement. Je veux refaire une jupe Tahiti des Bobbin Patterns qui vous l'ont présenté là pour la fête des mères. Et du coup, je trouvais que c'était pas mal ce blanc avec des fleurs, etc. pour une petite... Alors, j'hésite entre la faire longue ou courte, cette jupe, pour changer un peu et pour mettre quand il fera beau. Hein? Quand il fera beau. Voilà. Aux recoupettes, c'est tout ce que j'ai acheté. Raisonnable, hein, Pascal, hein? Dites-le moi que j'ai été raisonnable. Et ensuite, nous sommes allés donc au magasin que je ne me souviens pas. Au coupon Saint-Pierre, moi, j'ai rien acheté. Hein, coupon Saint-Pierre, tissu de Lille, là, je n'ai rien acheté du tout. J'ai vu de très belles choses. Hein. J'ai vu. Alors, après, c'est pareil. C'est des coupons de 3 mètres, un peu dans le style du coupon Saint-Pierre, hein, il faut le dire. Mais du coup, psychologiquement, vous voyez, moi, de voir ce prix, 42 euros, par exemple, le coupon que j'ai regardé pour 3 mètres, moi, je retiens pas que ça fait 3 mètres, je retiens que ça fait 42 euros, puis que je me dis, vache, 42 euros quand même. Voilà. Et alors que si on le remet au prix du mètre, ça fait pas très cher, finalement. Et j'avais vu une superbe viscose dans les tons rouges avec des dessins dessus. Je ne sais plus si c'était des fleurs ou quoi, ou des feuilles, ou je ne sais plus. C'était super beau, mais là, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris, pourtant, en ce moment, je suis dans mon idée de me faire des combinaisons pour l'été parce que je me sens bien. Alors, je vais essayer, je vous en ai parlé, hein, celle de Lise Taylor, là, pour voir si à ma morphologie, ça va bien. Et je voudrais bien en trouver une qui me va bien avec du chêne étrame, parce que oui, la Direndo, en jersey ou en maille, voilà. Mais bon, j'aimerais bien en trouver une pour faire dans une jolie viscose. Et cette viscose-là, elle était trop belle, mais vous voyez, je ne l'ai pas pris. Voilà, parce que, alors, pourquoi aussi, rigolez pas, hein, mais d'habitude, quand je fais mes petites courses comme ça, dans les marchés de tissus, etc., j'ai mon petit mari qui m'accompagne, hein, donc il porte mes sacs, hein. Là, j'avais pas quand même demandé à mes copines de porter mes sacs, hein, donc chacun portait ses sacs. C'est pour ça que j'ai acheté chez Toto Tissu le sac, parce qu'il y avait ça aussi, et du coup, je pouvais le mettre à l'épaule. Mais des tissus, c'est lourd, donc je me suis dit, pas trop, Pascal. Puis je ne savais pas ce que j'allais trouver ailleurs, comme c'était pas si loin de ça, de la gare, je me suis dit, si vraiment le coup de cœur reste, j'irai le chercher en fin de journée, etc. Mais là, vous voyez, je suis repartie sans, donc c'est que je pouvais m'en passer. On est allé donc à ce fameux magasin où je vous remets le nom ici parce que je ne m'en souviens pas, hein, ni la station de métro. Il faut descendre. Je vous mets tout ça, c'est promis. Donc, ma copine, Martine, allait faire des t-shirts à sa sœur. Et elle regardait après des jerseys pour faire des t-shirts. Et la dame, il lui est resté ce coupon-là qui mesure pas grand-chose. Hein, du coup, on ne peut pas faire un t-shirt d'adulte dedans, voyez-vous. J'ai un petit peu plus que 70 cm. Donc, je lui ai dit que cela ne tienne, je vais le prendre. Hein. Il était à 11 euros le mètre, donc ça m'a coûté moins de 11 euros, forcément, puisqu'il n'y a pas un mètre. Et je vais faire un t-shirt pour Adèle, pour Jade, pour l'une d'entre elles, voilà, ou alors des inserts, je ne sais pas encore. Mais voilà, ça peut servir pour les petites, c'est joli, c'est des petits cœurs, hein, c'est des espèces de fleurs, petits cœurs, donc c'est joli aussi, donc voilà, pour les petites.
Ensuite, alors, je ne sais pas si vous avez vu, donc je vais en parler un petit peu parce qu'il n'y a pas de raison. Ah, ben c'était hier, on est jeudi. Ah zut, j'ai raté, ben oui, j'ai gardé Louis. Pour moi, c'est embêtant le mercredi, mais bon, c'est pas grave, j'irai voir le replay. Mais Jen de la chaîne YouTube Jen Création Couture, oh mais j'ai pas de mémoire aujourd'hui, hein, parce que il y a un by Jen Création, mais c'est pas elle, c'est Jen Création. Je crois. Elle va faire un autre défi. La dernière fois, c'était un défi sur le pantalon jean des Bobby Patterns, un pantalon fluide, etc., que j'ai fait. Et là, elle fait le défi du Bombers Liberty des Bobby Patterns. Et du coup, j'ai envie de le faire parce que figurez-vous que c'est un patron que j'ai dans ma patron tech et que j'avais envie de faire depuis longtemps et que je n'ai jamais fait finalement. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire ce Bombers. Donc ça donne l'occasion. Un défi est un défi. Donc je vais me mettre le défi de le réaliser. Mais il va falloir que j'aille voir le replay d'hier parce que je l'ai complètement oublié. Alors ma pauvre Jen, si tu passes par là. Excuse-moi, je t'ai complètement oublié. J'ai gardé Louis hier et avec ce temps que nous avions, n'est-ce pas? Nous sommes allés, figurez-vous, chercher des plants de tomates parce que mon Louis est un mangeur de tomates et de tomates cerises plus particulièrement. Et souvent, j'en ai un pot sur la terrasse, voilà, pour qu'il puisse aller cueillir ses petites tomates cerises quand elles sont mûres. Et cette année, je ne l'avais pas encore fait. Et finalement, j'ai dit à Louis, écoute, avec ce temps magnifique, allons nous promener. Et nous sommes allés chercher des plants de tomates. Il m'a fait acheter en même temps une fleur pour papa, une fleur pour maman. Si je l'avais écouté, j'achetais le magasin de fleurs. Voilà, il ressemble à son père. Hein, voilà, c'est pas des fleuristes dans l'âme, mais quand même, ils aiment bien ça. Donc, voilà, il voulait acheter pour papa et pour maman. Alors, je lui ai dit doucement les prix, hein, on regarde bien les prix, voilà, parce que si on achète pour toute la famille, nous voilà bien, quoi. Parce qu'au départ, il m'avait pris un mini rosier sur tige, 15 euros le rosier, voilà. Je lui ai dit, non, 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 mon chéri, on va aller en dessous de 10 euros et même en dessous de 5 euros si tu voulais bien, parce que c'est juste pour faire un petit cadeau comme ça, pour faire plaisir. Mais pas voilà, donc nous avons trouvé une plante à 5,50 € et une plante à 1,50 €. Mais bon, c'était très bien. Voilà, c'est juste le geste. C'était tellement gentil, tellement attendrissant de voir qu'il pensait à papa et à maman. Que bon, voilà, il a fallu qu'on aille jusqu'au bout du truc. Mais bon, quand même, hein. Nous avons pris les plantes tomates et je me suis pris une petite fleur pour moi pour mettre devant ma belle maison. Voilà. Tout ça, oh bah, ma pauvre Pascal, hein, tu parles de ta vie, hein, là, bon, c'est tout. Tout ça pour dire que j'ai raté du coup le live, puisque ça se fait en live le mercredi après-midi, hein, je crois que c'est à 13h30, si je me souviens bien, le mercredi après-midi. Et puis, elle va faire le défi. Donc, hier, je pense qu'elle parlait des fournitures, etc. J'irai voir. Et moi, à Lille, j'ai cherché. Je voulais une viscose et un peu fleurie, un peu voilà. Et puis j'ai hésité. Chez Toto aussi, j'avais trouvé une cotonnade dans les bleus. En ce moment, je suis dans les bleus, mais bon, voilà. J'ai hésité. Est-ce que ça sera pas trop raide, etc. Donc, dans ce petit magasin que nous avons fait après les recoupettes, donc j'ai trouvé un. Alors, la dame nous a dit que c'était un lin viscose. Donc, voilà, j'ai pris ça parce qu'il est un peu plus fluide et pas trop fluide non plus. Parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc, voilà, j'ai pris celui-là. Donc, j'ai regardé, apparemment, il en faut 1,50 m. Donc, je pense qu'il faut le doubler. Mais ça,
la doublure ou une cotonnade autre, j'ai ce qu'il faut ici. Donc, j'ai pris que le tissu principal. Voilà, c'est un tissu un peu rayé avec des petites broderies de fleurs dessus. Voilà, je me suis dit pour un petit bomber d'été, sympa. J'ai trouvé ça sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé ça sympa. Donc, j'ai pris celui-là pour faire donc le défi de Jen qu'elle fait sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien hein, en dessous si vous voulez, si vous voulez suivre le défi. Alors, si vous voulez refaire le défi du pantalon jaune, c'est toujours possible hein, puisque les replays sont mis sur sa chaîne et du coup, vous pouvez le faire aussi. Hein, et vous pouvez le coudre avec Jen en replay. Donc voilà pour le bombers. Et ben, il y avait un lin aussi. Et ça doit être. Alors je ne sais pas si c'est du 100% lin ou s'il y a de la viscose dedans. Je crois que c'est du 100% lin parce qu'il se froisse quand même. Il se froisse. Alors voilà, un gris bleu. Et bah, je suis toujours dans mon idée de me faire un pantalon fluide. Alors peut-être pas un jean parce qu'il n'y a pas de poche. Et je suis gauche pour ajouter des poches. Il faut dire ce qui est, ou alors il faut que je les fasse à l'italienne, je pense. J'arriverai peut-être plus à faire une poche à l'italienne qu'une poche dans la couture. Des fois, quand je fais les poches dans la couture, ça baille, c'est pas très joli. Alors peut-être à l'italienne. Il faut que j'étudie la chose. Mais bon, voilà. Et il y a d'autres patrons hein, que le June. Hein, donc j'essaierai de faire. Mais je veux des poches à ce pantalon. Moi, sans poche, je suis perdue. Voilà. Je veux des poches. Donc voilà. Un petit lin. Voilà. Je voyais bien aussi un pantalon à pont dedans. Ça fait un moment hein, que je réclame. Si tu passes par là, coûte tes rêves, tu as demandé, tu as fait des petits sondages en disant qu'est-ce que je pourrais bien, qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme patron, tout ça. Puis je t'ai marqué, oh, comme un petit pantalon à pont. Alors, il y en a, hein, il y en a chez Super Bison, il y en a un peu partout. Donc, voilà. Mais j'aimerais bien un petit pantalon à pont. Alors, peut-être que je me laisserai tenter par celui de Super Bison ou autre, je ne sais pas encore, ou peut-être que j'en ai dans mes bouquins, hein, c'est possible, hein, il faut que je regarde. Chez les Burda et tout ça, peut-être qu'il y en a. Donc voilà. Donc pantalon en lin. Et voilà les enfants, je me suis arrêtée là pour Lille. C'est bien, hein? Dites-le-moi que c'est bien. Bon, quand je suis revenue de Lille, j'ai regardé la vidéo de Audrey Mercery. Voilà. Et Martine a raison, hein. Audrey, parce qu'on en a parlé ensemble quand on était à Lille, Audrey a des super beaux tissus et tout, mais voilà, comme elle présente ses vidéos, ses tissus à chaque fois en vidéo, et je trouve que c'est une super bonne tactique de commerciale, c'est super, moi, enfin, bravo, parce que et il faut faire ça, hein. J'ai vu qu'il y avait aussi une autre qui faisait ça, qui fait des lives. D'ailleurs, alors c'est Clafoutis qui est tout près de Liège en Belgique. Clafoutis fait des lives régulièrement sur Facebook ou Instagram, je ne sais plus, et elle présente ses nouveautés. Alors, elle, quand elle fait des lives, je crois qu'elle en fait un par mois, je crois, ou tous les mois et demi. Mais alors, elle a un caddie, j'allais dire, non, un rack carrément de nouveautés. Je ne sais pas où elle met tout ça dans sa boutique parce que je vous dis, elle fait des lives tous les mois et demi à peu près pour me présenter ses nouveautés et c'est carrément un rack quoi. Mais bon, du coup, bah, je pense qu'elle vend pas mal de cette façon-là parce que comme elle présente, voilà, et puis c'est jamais des très grosses quantités hein, qu'elle a, hein. C'est genre 8-10 mètres, voilà, et du coup, bah,
Ben, si on flash sur un tissu. Alors, j'ai jamais acheté hein, chez Clafoutis, je vous le dis quand même. Elle fait des patrons aussi, hein, mais je n'ai jamais acheté chez Clafoutis parce qu'on ne peut pas acheter partout hein, non plus. Hein, ça, c'est clair, à moins de trouver quelque chose qu'on recherche. Mais bon, on peut pas. Hein, à un bout d'un moment, il faut quand même. Voilà, on peut pas. Donc, tout ça pour revenir à Audrey Mercerie, qui présentait ses tissus et qui présentait des jerseys super sympas. Il faut dire ce qu'il y est, c'était super sympa. Alors là, bah, j'étais dans mon optique les enfants, bien sûr, parce que bah, là, des t-shirts et tout ça, dans des petits jerseys pour les enfants, c'est super. Alors oui, je couds beaucoup pour les enfants, hein, excusez-moi, mais j'adore ça déjà parce que bah, il faut peu de métrage pour un enfant, donc voilà, on peut se faire plaisir à coudre voilà des jolies choses et tout ça. Bon, évidemment, c'est pas moi qui les porte, mais ça me fait plaisir quand même parce que bah voilà, c'est des jolies choses et puis j'adore et puis ils sont demandeurs, donc voilà, et quand ils sont tant qu'ils seront demandeurs, Nona, elle courra pour eux, hein, c'est coudra pour eux, hein, voilà, ça c'est une évidence. Donc, du coup, j'ai passé une commande chez Audrey Mercerie. Alors, je voulais aussi, j'ai aussi fait une commande chez Driessenstofen. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai eu moins 10%. J'ai eu comment ça s'appelle? Un mot, un code, voilà, c'est ça, un code de 10% sur les tissus chez Driessenstofen. Donc j'en ai profité, mais alors je n'ai toujours pas reçu ma commande parce que je l'ai fait. Alors je sais plus si c'est, non, c'est. Alors, je sais plus. Franchement, aujourd'hui, franchement, je perds la mémoire, hein, parce que là, on est jeudi. Est-ce que j'ai fait ça dimanche? Je pense que j'ai fait ça dimanche. C'est pas possible que j'ai fait ça dimanche d'avant. Je sais plus, parce que là, ça ferait plus de. Parce que généralement, ça met 7 jours hein, pour venir Driessenstofen. Donc, je ne l'ai pas. Tout ça pour vous dire que je ne l'ai pas encore eu. Hein, voilà, donc je ne pourrais pas vous faire de continuer le haul là-dessus, mais j'ai pris des basiques. J'ai pris des basiques, je ne sais plus quoi, mais c'est des basiques, genre jersey de coton, uni, beaucoup d'uni. Voilà, j'ai pris des basiques pour avoir du basique et profiter des 10%, mais j'ai rien pris de folichon pour dire oh là là, c'est super beau, voilà. Voilà, que des basiques. Mais il en faut hein, des basiques. Hein. Voilà. Donc, je vous montre donc les jerseys que j'ai achetés chez Audrey. Donc, je ne me souviens plus des prix. 14? Je sais plus. Je sais plus. Franchement, je vous dirais des bêtises. Allez voir sur son site. Hein. Alors, je ne sais pas à l'heure actuelle. Je vais vous mettre le lien de son site en dessous, hein, en barre d'information. Mais je ne sais pas si à l'heure actuelle il y a encore ou pas, parce que là, c'est pareil. La tactique commerciale, comme je vous disais tout à l'heure, elle est bonne parce que bah, du coup, les gens commandent et ça m'est arrivé plusieurs fois de regarder des vidéos de Audrey et de dire oh bah j'ai le temps, pas tout de suite, je vais attendre un peu et puis ne me décider quelques temps après, puis qu'il n'y en ait plus. C'est une bonne tactique commerciale quand même. Donc, il y avait ce petit jersey-là, couleur un peu beige, crème, avec des pêches dessus. Alors, celui-là, elle l'avait, ou elle l'a toujours en plusieurs couleurs. Je crois qu'elle l'avait en vert d'eau et en blanc, ou rose. Je ne sais plus, enfin voilà, quoi. Donc moi j'ai. Alors à chaque fois j'ai acheté un mètre, hein, c'est pour faire des t-shirts pour les petites. Oui, les petites. Non, pas, bon, pour moi, mais un mètre, si, il doit y avoir des t-shirts qui passent. Mais bref. Celui-là, j'en ai pris un petit peu plus. C'est avec des cœurs. Je ne sais plus combien j'en ai pris, mais je crois que j'en ai pris 1,50 m. Si je me souviens bien, je vous dis ça tout de suite.
Oui, c'est ça. J'en ai pris 1,50 m. Je suis sur ma top de découpe, hein, donc c'est pratique. J'ai le mètre qui est sur la table, donc voilà. J'en ai pris 1,50 m parce que j'aime bien aussi. Alors, j'hésite. Est-ce que je me fais un t-shirt à moi? Est-ce que j'en fais plusieurs à toutes les filles, qu'ils auront tous le même? Toutes les filles, il y en a trois, hein, qu'ils auront tous le même. Ou voilà, je ne sais pas encore. Mais ça sera forcément des t-shirts. Et celui-là, alors je vous montre un petit morceau qui reste. Voilà, il y avait des glaces. J'adore, j'adore. Et là, j'ai cousu déjà quelque chose, mais je ne vous en parle pas tout de suite. Vous le verrez dans un prochain podcast, puisque c'est ça. Voilà, donc celui-là. Et puis j'ai eu un petit cadeau aussi, alors de la part de Audrey. Voilà, alors est-ce que c'est parce que j'avais des points, etc. Parce que je sais qu'il y a un système de points sur son site. Il faut vraiment que vous alliez voir ça. Et voilà, j'ai eu ce petit cadeau-là. C'est des petites biches, trop jolies aussi. Et là, c'est pareil. Et ben, je ferai des t-shirts et je ferai peut-être un petit pyjama d'été. Je pense que ça doit passer, un petit t-shirt tout simple avec un petit short tout simple. Ça doit passer. J'en ai eu... je crois que c'est 50-60 cm à peu près, ouais, ouais, dans ces eaux-là. Et je pense que ça passerait un petit t-shirt tout simple, hein, qui ne mange pas beaucoup de tissu, même sans manches, hein, juste, je ne sais plus lequel que j'avais fait là, il n'y a pas longtemps, qui ne mange vraiment pas de tissu. Et puis un petit short pour l'été, pour faire un petit pyjama d'été. Voilà. Eh bien, voilà, cette fois, c'est tout. C'est tout dans mes achats. Hein. Après, j'ai Marine qui m'en a redonné parce qu'elle en a retrouvé encore chez elle. Hein. Elle s'est débarrassée de tous ses tissus, ma belle-fille. Et elle avait celui-là. Là, elle avait acheté ça, je crois que c'est l'année dernière. C'était un bail lisane, celui-là, hein, de Dresenstoffen. Donc, c'est pareil, j'en ai un bon morceau. Je lui ai dit que je lui ferai certainement un t-shirt dedans, plantain ou voilà, et puis un autre, je pourrais sans doute caser quelque chose pour Adèle, sa fille, comme ça ils feront un matchy-matchy. Après, elle avait celui-là, alors je crois que celui-là, c'était un tissu qu'on avait eu toutes les deux ensemble, mais c'était elle qui l'avait payé sur un marché, genre marché à Dinan ou à Namur, je ne sais plus lequel on avait fait ensemble. On avait été dans un marché des Hollandais, là, et elle avait acheté celui-là. Donc, bah, là, c'est pareil, ça sera pour Louis. Alors, Louis, vous savez que la dernière fois, ou vous ne savez pas, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais j'ai... Ah non, je ne vous en ai pas parlé. Parce que c'est un podcast qui arrive, qui devait arriver avant ce haul, mais avec ces travaux-là, j'ai pris du retard, donc vous allez l'avoir sans doute après. J'ai cousu avec Louis, enfin cousu, c'est un grand mot, hein, qu'est-ce qu'il a fait, mon pauvre Louis? Ben, il a juste passé les épingles et les pinces, hein, mais le reste, je l'ai fait. Mais il est resté à côté de moi pour voir comment se construisait un t-shirt, le temps que ça prenait, etc. Ça, c'était mercredi dernier, oui, pas hier, mais mercredi dernier, parce que eh ben, je l'avais le matin, et puis voilà, il avait vu un coupon qui lui plaisait bien, et il voulait le t-shirt, et j'ai dit, mon gamin, tu sais, ça se fait pas comme ça, alors si tu veux, on le fait ensemble, comme ça tu vois un peu le temps que ça prend, etc., il va avoir 6 ans. Bon, je ne vais pas en faire un grand couturier, hein, puis après il fait ce qu'il veut, hein, s'il a envie, pourquoi pas, mais ce n'est pas dans mon optique, mais c'était pour lui montrer ben, que ça ne se fait pas comme ça non plus. Voilà, donc t-shirt, et puis j'en ai un autre qui traîne par là, et t-shirt un peu mauve. Non, pas mauve. Pas mauve, rose. Et voilà, j'ai été le chercher, hein, quand même, parce que je vous le montre jusqu'au bout. Alors, tout ça, c'est pas moi, hein. C'est Marine qui me les a donnés. Donc, voilà. Alors, je ne sais plus, là, où elle avait. Et je crois qu'elle s'en était déjà servie. Il est déjà commencé.
parce que je vois que, voyez, c'est découpé. Donc, pareil, ben, je vais voir ce qui reste. Et puis, ben, on verra bien. Je ne sais pas. Je ferai quelque chose pour Adèle, sans doute, dedans. Voilà, je ne sais pas. Du coup, j'ai remué un peu de poussière. Et ça me gratte le bout du nez. Voilà. Et ben voilà, cette fois-ci, ça y est, on est à une heure. Je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de découpe à faire. Je vais vous mettre cette... enfin, de montage à faire. Je vais vous mettre cette vidéo bah, vite fait, là, tout à l'heure. Comme ça, bah, vous avez bah, mes achats de Lille. Parce que j'ai... En regardant la vidéo de Martine, j'ai entendu qu'elle disait « Oh, bah Pascal va vous le faire ». Oui, oui, j'allais le faire. Hein. Forcément, j'allais vous en parler parce que j'ai été trop contente. C'était un trop bon moment. J'aime bien vous raconter aussi les bons moments que je passe. Hein. C'est bien aussi. Et du coup, je me suis dit « Il ne faut pas que je tarde quand même » parce que les gens qui suivent Martine et qui me suivent en même temps vont dire « Bah alors Martine, tu racontes n'importe quoi ». Mais non, 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 Martine, tu ne racontes pas n'importe quoi. Tu vois, je l'ai fait, cette petite vidéo qui parle de notre petite escapade lilloise. Moi, j'aime bien. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à Lille. Je suis du Nord. Hein. Je suis née à Maubeuge, hein, si vous voulez tout savoir encore. Et bon, là, j'habite dans les Ardennes. Mais du coup, ça fait... J'ai mis un petit peu plus d'une heure et demie parce que bon bah le trafic, tout ça, pour aller normalement ça va vite. Mais quand on arrive... J'ai mis un peu plus d'une heure et demie. Non, j'ai même mis 2 heures. Attendez que je dise pas de bêtises. Je suis partie d'ici, il était 8h10 et je suis arrivée là-bas à 10h30. Oui, j'ai mis un petit peu plus de 2 heures. Mais du trafic et tout, voilà. Je sais pas si c'était une bonne idée de... J'aurais dû partir un peu plus tôt, quoique les gens travaillent et puis le trafic pour rentrer dans l'île est toujours un petit peu important. Je ne sais pas s'il y a des bonnes heures ou alors il faut y aller en milieu d'après-midi ou enfin j'en sais rien. Enfin bref, j'ai mis un petit peu plus de 2 heures et puis on a passé vraiment un bon moment. Martine, si tu regardes cette vidéo, ben, bien sûr je te fais des petits coucou et puis c'est à refaire ma belle, c'est à refaire et il n'y a pas de souci. Moi je suis partante avec d'autres. Hein, aussi si vous avez envie de venir avec nous ou avec moi ou voilà de faire des petites virées comme ça, je suis toujours partante parce que ça fait plaisir de voir en vrai les gens. Voilà, là-dessus je vous fais des bisous. Comme d'habitude, je vous dis, bah, cousez bien. Vous voyez, moi, j'ai encore du boulot qui m'attend. J'ai déjà commencé sur les jerseys de Audrey. Et puis, j'ai plein d'idées dans ma tête, bien sûr, comme d'habitude. Je vous retrouve très vite. Et puis, je vous fais des gros bisous. À bientôt.